La chaîne du rétablissement de la vérité. Sur cette chaîne, nous nous efforçons de dévoiler et de rétablir des vérités historiques occultées ou altérées depuis des millénaires. Pour la gloire de Dieu. Pour le salut des âmes. Pour le respect de la vérité. Dans ce quatrième numéro, notre objectif est de prouver par des preuves tangibles les origines négroïdes de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Nous vous fournirons des preuves archéologiques éblouissantes consolidées par des descriptions bibliques illustrées et indiscutables. Vous en serez fascinés. Elles seront consolidées par des recherches scientifiques contemporaines. Nous ouvrirons une parenthèse afin d'évoquer une fois de plus les falsifications iconographiques et leurs conséquences néfastes. En dehors des icônes des Noirs qui furent blanchies, il existe une autre forfaiture iconographique gravissime. Celle qui consiste à leur attribuer une fausse identité religieuse. Ce sont les cas où les divinités du paganisme ancien ont été revêtues d'un manteau chrétien. Il s'agira aussi des cas où des élites du Moyen-Âge ont imposé leur portrait pour adoration. Ce culte de la personnalité a traversé les âges. De sorte qu'aujourd'hui nous adorons des images d'anciens satanistes et criminels en lieu et place de celles du Dieu créateur. C'est de l'idolâtrie pure et simple qui se pratique sous le ciel par suite d'ignorance et d'insuffisance en information. Nous nous attarderons sur cette nouvelle forfaiture syncrétique car elle touche l'essence même du christianisme. Aussi, nous mettrons l'accent sur la forfaiture des peintres de la Renaissance qui ont forcé le cours de l'histoire afin d'attribuer à Dieu des origines blanches. C'est l'heure du rétablissement de la vérité. Cette vidéo est tirée de l'ouvrage intitulé « Noir est le Dieu de la Bible » paru aux éditions Edit Livre en juin 2021. Une œuvre de Gabriel Balima du Burkina Faso. Voici les preuves archéologiques afférentes. Les preuves archéologiques sur les origines noires du Dieu de la Bible et de son Fils Jésus-Christ sont similaires à celles des enfants de la maison de Jacob. Il s'agira des caricatures antiques laissées par les anciens. Dans le témoignage pictural qu'ils nous ont légué, vous verrez que la cour céleste est noire. Les sympathisants de la race noire. Un demi-siècle environ. Un grand politicien américain du nom de Robert F. Kennedy avait attiré l'attention des suprémacistes blancs sur l'éventualité d'un dieu noir. Il disait : « Supposons que Dieu soit un noir. Que ferions-nous si au ciel ? Nous levons les yeux et voici que Dieu est là et qu'il n'est pas un blanc. Alors que nous avons passé toute notre vie à traiter les nègres comme des êtres inférieurs. Quelle sera alors notre réponse ? De même, Arthur Schopenhauer, considéré comme l'un des plus grands philosophes de l'ère moderne, écrivait au XIXe siècle en plein cœur de l'esclavage que Jéhovah Dieu était noir et que le premier homme qu'il créa était lui aussi noir de peau. Nous lisons. La couleur noire était la couleur naturelle et particulière de la race humaine et il n'y a jamais eu de race naturellement blanche. La dame de notre race doit en conséquence être conçue comme noire. Et il est risible de voir les peintres représenter ce premier homme blanc. Couleur produite par la décoloration. Jéhovah l'ayant créé à sa propre image. Les artistes doivent représenter également celui-ci comme noir. Philosophie et sciences de la nature, pages 101 et 103. Le témoignage des icônes des catacombes de Rome. Après la mort du Seigneur Jésus-Christ, une violente persécution s'était abattue sur les chrétiens et beaucoup en sont morts. Les survivants, voulant vivre leur foi, se sont errés en profondeur dans les catacombes de Rome, Saint Calix, Commodilla, Nunziatella, etc. Leurs yeux ont vu le Seigneur Jésus-Christ et ils l'ont peint sur les murs des catacombes. Il s'agit des tout premiers pictogrammes du Seigneur Jésus-Christ. Contrairement aux faussaires de la Renaissance et aux acteurs des films d'Hollywood, ces témoins de la vie de Jésus-Christ ont caricaturé un Jésus-Christ noir de peau. Voici les premières caricatures de Jésus qu'on retrouve dans les catacombes. Jésus sur catacombe Commodilla, Italie. Jésus le bon berger, catacombe Calisto de Rome. La Sainte Seine, catacombe de Rome. Les travaux de Flavius Josaphat qui furent déclarés perdus ont été cependant reconstitués grâce à la version russe existante. Dans ces textes,
Ce grand historien de l'Antiquité juive décrivait Jésus-Christ comme une personne de race noire, ayant un long visage, un long nez avec des cheveux noirs et bouclés. Ces écrits de Flavius Josaphat sont confirmés par l'apôtre Paul qui disait à ses contemporains que c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux, 1 Corinthiens 11-14. Son maître Jésus-Christ ne devait donc pas porter de longs cheveux comme l'indiquent les peintures de la Renaissance. Jusqu'au XVIIIe siècle, les représentations graphiques sur les miracles du Christ, sa crucifixion et sa résurrection arboraient un messie noir de peau. De même, les acteurs sur scène, y compris les malades et les anges, étaient tous noirs. Voici les preuves en images. La nativité et la visite des rois mages. Le baptême de Jésus. La guérison des malades. La résurrection de Lazare. Jésus lave les pieds de ses disciples. La transfiguration. Jésus et la femme samaritaine. La crucifixion. La descente de la croix. L'inhumation. La résurrection du Messie, même les anges étaient noirs de peau. La Pentecôte. Jésus à la droite du Père. Dieu le Père et Dieu le Fils étaient noirs de peau, 18e siècle. Emmanuel le Messie, année 1816. Au 21e siècle. Les icônes du Messie et de sa mère étaient noires. En France, il existait environ 300 icônes ou statues d'une Vierge Marie noire et de son Fils Jésus-Christ. Pendant la Révolution française en 1789, les Vierges noires ont été saccagées et remplacées par des Vierges blanches. Néanmoins, de nos jours, on retrouve des Vierges noires dans beaucoup d'églises d'Europe. Voici quelques exemples. La Vierge de Saint-Romain-des. Vierge Marie de Plougastel. Vierge Marie de Paris. Vierge Marie de Clermont-Ferrand. Vierge Marie d'Espagne. Vierge Marie russe. Vierge Marie de Pologne. Vierge Marie d'Allemagne. Vierge Marie d'Haïti. Vierge Marie de la Guadeloupe. Vierge Marie d'Ohio, USA. Vierge Marie d'ailleurs. Les trois derniers papes de l'Église catholique vouaient un culte sacré à la Vierge Marie noire. Jésus-Christ était un noir d'Afrique. C'est le rapport d'un manuscrit ancien découvert récemment. Une équipe d'archéologues de l'université de Tel Aviv a découvert une collection d'anciens manuscrits dans la région de la Cisjordanie. Près des grottes de Qumran où les manuscrits de la Mer Morte ont été découverts en 1947. Et qui promettent de jeter une nouvelle lumière sur l'apparence physique de Jésus-Christ. Les documents qui ont été récemment déterrés proviennent apparemment d'un petit groupe de juifs sectaires qui s'appelaient les Esséniens. Ils reviennent sur les pas de différents éléments du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Les chercheurs ont tourné leur attention sur un fragment particulier qui décrit la naissance de Jésus-Christ et son apparence physique d'une manière différente. Les manuscrits qui ont été datés entre -408 et 318 après Jésus-Christ décrivent le Fils de Marie comme ayant une peau de couleur noire. Les manuscrits récemment découverts jettent une nouvelle lumière sur l'apparence physique de Jésus-Christ. D'après le professeur Hans Schumer de l'Université de Tel Aviv, c'est très révélateur que l'auteur inconnu des documents décrit avec un grand effet de surprise que la couleur de la peau de l'enfant était celle de la nuit. Nous dit le fragment du manuscrit. Dans la nuit sombre, rien ne permettrait de voir l'enfant mis à part le blanc de ses yeux, nous dit un autre extrait. Selon les experts et d'après les descriptions du nouveau parchemin, le divin enfant était noir comme la nuit, ce qui laisse penser que Jésus était en fait noir et d'origine africaine. La découverte de l'Arche de l'Alliance. Découverte archéologique de Ronald Elden Wyatt. L'Américain Ron White est un mandataire spécial du Seigneur Dieu. Il eut le grand privilège de découvrir tous les sites bibliques d'importance majeure, à savoir les ruines de l'Arche de Noé, y compris l'ancre archaïque ayant immobilisé le navire sur la montagne Ararat. Les ruines de Sodome et de Gomorre, une cité en étage avec un sphinx complètement réduit en cendres. L'endroit où la traversée de la mer Rouge par Israël eut lieu, The Nineveh Beach. Deux piliers antiques que voici. Implantés à l'entrée et à la sortie de la mer Rouge et sur lesquels des inscriptions figurant sont des preuves.
Des roues d'écharpe pharaoniques recouvertes de corail y sont toujours comme l'indiquent les images de la vidéo. Pendant la guerre du Golfe, les photos satellites infrarouges ont indiqué une route tracée dans la mer. C'est le reflet de la chaleur dégagée par les poteries abandonnées par Israël lors de sa fuite devant l'armée du pharaon qui a produit cet effet. Cela correspond à l'endroit désigné par Ron White. Il découvrit aussi entre autres le vrai mont Sinaï avec un autel. Le lieu authentique du crucifiement de Jésus-Christ avec l'image du Golgotha, lieu du crâne. Le vrai tombeau de Jésus-Christ et enfin, l'arche de l'Alliance contenant les deux pierres sur lesquelles la main de Dieu aurait gravé les 10 commandements. À cause des pressions politiques dues au conflit israélo-palestinien. L'exposition de l'arche de l'Alliance ainsi que l'annonce officielle de sa découverte sont des sujets tabous en Israël. Elle pourrait provoquer une guerre interminable entre les deux nations car, se servant de cette découverte, certains pourraient réclamer tous les territoires arabes. Avant d'examiner en détail ce sujet sur l'Arche de l'Alliance, permettez-moi d'esquisser un sujet qui servira de catéchèse pour les croyants et aussi de culture générale aux non-chrétiens. Lorsque Dieu a placé les humains sur terre, il les a soumis à des lois. Tout manquement à ces lois est un péché et passible d'une peine de mort éternelle. Le monde qui a péri dans le déluge connaissait ces lois car le livre du juste dit qu'Abraham s'était rendu auprès de Noé pour apprendre les lois de Dieu. Abraham transmettra ces lois aux 12 tribus d'Israël qui les ratifieront au mont Sinaï en présence de Moïse. Selon la justice divine. Pour qu'un péché soit pardonné et effacé, il est impératif qu'une personne n'ayant jamais péché verse son sang en sacrifice. Lorsque les premiers humains commirent le tout premier péché, Dieu fut contraint de sacrifier un agneau et se servit de sa peau pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. C'est pour cela qu'Abraham tenta d'offrir en sacrifice à Dieu son unique fils. Tout ceci était l'ombre de ce qui devrait arriver dans le futur. Ces gestes annonçaient la venue du Fils unique de Dieu qui sera offert en sacrifice pour effacer les péchés de toute l'humanité. Ainsi, pour éviter la mort éternelle aux humains et pour satisfaire la justice divine, Dieu envoya sur terre son Fils unique qui devint un homme sans péché et qui versa son sang pour la rémission de tous les péchés. Jésus était donc né pour mourir. Il était l'agneau envoyé par Dieu pour effacer les péchés du monde. Lorsque Jean le Baptiste l'aperçut au loin, il s'écria « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Depuis le mont Sinaï jusqu'au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, voici comment l'on obtenait la rémission des péchés. Il fallait placer les mains sur la tête d'un animal et lui transférer tous les péchés. Ensuite, l'animal était égorgé et des gouttes de son sang sont aspergées sur l'arche de l'Alliance contenant les 10 commandements de Dieu. L'animal était un substitut qui mourait à la place de celui qui avait péché. Ces gestes annonçaient la venue du Fils unique de Dieu qui s'offrirait en sacrifice pour la rédemption du monde. En effet, dans la plénitude des temps, l'homme sans péché tant attendu qui est Jésus-Christ vint et s'offrit en sacrifice expiatoire pour les péchés de toute personne vivant sur terre. Ainsi, il suffit de réclamer le pardon de tout péché par son sang et l'absolution est obtenue. Tel est le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Vous connaissez tous comment Jésus-Christ a péri à la croix. 2000 ans après son sacrifice sur cette croix à la découverte de l'Arche de l'Alliance nous livre des informations qui nous laissent sans voix. Voici comment l'Arche de l'Alliance a été retrouvée. En -586 avant Jésus-Christ, lorsque l'armée de Babylone s'apprêtait à détruire Jérusalem, Dieu instruisit le prophète Jérémie de cacher l'Arche de l'Alliance dans une des grottes où le prophète avait l'habitude de se recueillir. C'est ce qu'il fit. Par la suite, un autre prophète avait révélé que l'Arche de l'Alliance devrait demeurer dans le secret jusqu'à la fin des temps. Et alors Dieu le fera réapparaître à nouveau, 2 Maccabées 2:4-8. On a dépisté le sang de Jésus-Christ sur l'Arche de l'Alliance. Pendant qu'il visitait Jérusalem accompagné d'un guide de l'Antiquité d'Israël, un épiphénomène mystérieux arriva à Ron White. Indépendamment de sa volonté, sa main gauche indiqua une direction bien précise et de sa bouche sortit cette phrase. Voici la grotte du prophète Jérémie et l'Arche de l'Alliance s'y trouve. Il comprit alors que l'heure était venue pour le Seigneur Dieu de montrer aux habitants de la terre la fameuse arche qui avait accompagné les enfants d'Israël.
depuis le désert du Sinaï jusqu'à la terre promise. Pour cerner les contours de la problématique, Ron White entreprit des recherches bibliques avant d'entamer les fouilles dans la montagne située à l'est du mur des Lamentations de Jérusalem. Ces fouilles qui durèrent 2 années furent pénibles mais bénéfiques car le 6 janvier 1982 à 14h, il trouva la fameuse arche de l'Alliance en or ainsi que d'autres objets utilisés auparavant dans le temple. Un arc-en-ciel irradiait autour de l'arche de l'Alliance. C'est à cet endroit que 600 ans avant la mort de Jésus-Christ, l'arche avait été cachée par le prophète Jérémie. Le grand mystère dans cette découverte est qu'il y avait un dépôt de sang sec sur l'arche, précisément à droite du siège de la miséricorde. Selon toute évidence, ce sang provenait d'une fissure faite au niveau de la roche de la grotte, endroit situé au-dessus de l'arche. Étant sorti de la grotte et après avoir localisé en surface l'endroit d'où provenait ce sang, il découvrit des tonnes d'ordures à nettoyer car au cours des 2 millénaires l'endroit était devenu un grand dépotoir public. De nombreux camions bennes entrèrent en action et finalement, lorsque la terre ferme apparut, il y découvrit 3 trous. Un des trous avait servi à retenir la croix du Christ, tandis que les 2 autres avaient fixé les croix des 2 brigands qui furent crucifiés au même moment que le Sauveur. Il y découvrit aussi un endroit aménagé où probablement était placée l'inscription « Jésus-Christ, roi des Juifs ». Alors, ses yeux s'ouvrirent et il comprit que Jésus-Christ avait été crucifié au-dessus de cette grotte et que ce dépôt de sang sur l'arche était celui de Jésus-Christ crucifié. Référence « Revealing Goddess Treasure, Ark of the Covenant, Found ». Par quel miracle le sang de Jésus crucifié a pu traverser les 6 mètres d'épaisseur du rocher pour goûter sur l'arche? Voici une possible explication fournie par Ron White. À la mort du Christ, la Bible dit que la terre trembla et que les rochers se fendirent, Matthieu 27, 51. Avant de permettre à quiconque d'avoir accès au corps du crucifié, le soldat devrait s'assurer que Jésus-Christ était bien mort. C'est pour cette raison qu'il transperça le cœur du Christ d'un coup de lance. Alors du sang et de l'eau jaillirent de son sein. Selon Ron White, la fissure provoquée par le tremblement de terre a permis au sang jailli du cœur de Jésus-Christ de pénétrer à l'intérieur de la grotte et de se déposer sur le siège de la miséricorde. Le sang de Jésus a donc oint le « Saint des Saints » qui contenait les tables de la loi de Dieu. Cette onction a donc ratifié l'ancienne et la nouvelle alliance. De même, au 3e jour lorsque Christ ressuscita, la Bible dit que la terre trembla de nouveau, Matthieu 28:2. Ce second tremblement aurait refermé la fissure du rocher, permettant au sang du Christ de demeurer intact sur l'arche pendant 2000 ans avant d'être découvert. L'analyse du sang de Jésus-Christ. Lorsque Ron White apporta dans un laboratoire de Jérusalem un échantillon du sang prélevé sur l'arche pour analyse, les laborantins n'entrevoyaient pas l'utilité d'une telle démarche car pour eux, du sang sec est un sang mort, et que rien de bon ne pouvait en ressortir. Mais après avoir reconstitué le sang et maintenu à la température du corps humain, puis l'ayant gardé pendant 72 heures en mouvement sinusoïdal, ils l'observèrent au microscope. Ils ne pouvaient en croire leurs yeux. Non seulement le sang était bien vivant, mais surtout, le porteur de ce sang était unique au monde parce qu'il ne dispose que de 24 paires de chromosomes au lieu de 46. Tout être humain normal dispose de 46 paires de chromosomes dont 23 sont hérités du père et 23 de la mère. Mais ce sang ne contenait que 23 chromosomes hérités de la mère, plus un seul chromosome Y ayant servi à déterminer son sexe masculin. Cette personne aurait donc hérité toutes ses caractéristiques humaines de sa mère. Cette personne est donc unique au monde du fait qu'il n'a pas de père biologique. Le seul chromosome Y disponible dans son sang et qui aurait déterminé son sexe mâle provient d'une source non humaine, référence sur YouTube. Ron White talking about Jesus blood sample. Des laboratoires américains et européens. Après avoir fait le décompte des chromosomes contenus dans cet échantillon de sang sont parvenus à la même conclusion. Les résultats de ces analyses confirment ainsi la naissance virginale de Jésus-Christ par Marie sa mère. Et démontrent du même coup qu'il est le Fils de Dieu.
des centaines d'années à l'avance. Le prophète Daniel avait annoncé que le sang du Messie allait oindre l'arche de l'Alliance pour la rémission des péchés. Nous lisons. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints, Daniel 9, 24. Le sang du Christ est la substance ultime pour oindre. Et le Saint des Saints est l'arche de l'Alliance. Du sang d'un bœuf. Le grand prêtre aspergeait le Saint des Saints une fois l'an en vue de la rémission des péchés de tout le peuple d'Israël, Lévitique 16, 14. C'était l'image. L'ombre de ce qui devait arriver plus tard lorsque Jésus-Christ s'offrit en sacrifice pour le salut du monde. En lieu et place du sang de bœuf. Cette fois ce fut le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui fut versé sur l'arche de l'Alliance pour la rémission des péchés du monde entier. Ce sacrifice extrême de son Fils Jésus est l'expression ultime de l'amour de Dieu pour sa création selon qu'il est écrit. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, 1 Jean 4, 10. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation, Lévitique 17, 11. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, Isaïe 53, 5. Les laborantins qui ont analysé ce sang étaient des juifs de Khazar. Pratiquant le judaïsme et reniant le messianisme de Jésus-Christ. Lorsqu'ils apprirent que ce sang était celui de Jésus de Nazareth crucifié sur la croix du Golgotha, alors leur vie a été transformée. Compte tenu du fait que Jésus-Christ a hérité tous ses caractères humains de sa mère. Étant donné que Marie est une sémite, hébreu israélite et cousine de Joseph, alors Jésus-Christ était une personne noire de peau. Cette découverte constitue à la fois une preuve archéologique et scientifique sur les origines noires de Jésus de Nazareth. Il importe de souligner que les autorités de l'État d'Israël ont tenté de sortir l'arche de sa retraite en y envoyant des soldats. Mais ils moururent foudroyés à l'approche de la grotte et personne ne pouvait récupérer leur corps. L'armée fit appel à Ron White qui se dépêcha des USA en Israël. Ayant reçu la grâce de découvrir l'arche. Il obtint encore la grâce de pénétrer dans la montagne pour extraire les dépouilles de ses soldats. Il enveloppa chaque corps avec un linceul et y attacha une corde dont l'autre bout était tenu du dehors par d'autres soldats. C'est ainsi que les dépouilles furent extraites. Avant d'entrer dans la gloire céleste, Ron White expliqua que l'arche devrait demeurer à cet endroit jusqu'au jour où la marque de la bête sera imposée aux habitants de la terre. En ce moment les 144 000 personnes auront accès à l'arche et les deux pierres des 10 commandements seront exposées. Les habitants de la terre devront choisir entre les lois de Dieu et la marque de la bête. Naissance de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait. Voici. Un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit. Joseph, fils de David. Ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus, Matthieu 1. Les erreurs des iconographes contemporains. Les iconographes qui ont caricaturé les différentes arches de l'Alliance se sont tous trompés.
En effet, la Bible explique que deux anges étaient placés de part et d'autre de l'arche de l'Alliance et que leurs ailes se touchaient. Selon la description suivante, il fit deux chérubins d'or. Il les fit d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire. Un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se regardant l'un l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire, Exode 37, 7 à 9. Voici l'image de l'authentique arche de l'Alliance découverte par Ron White. Vous remarquez que les deux anges ont les pieds à terre et chacun d'eux a déployé seulement une seule de ses ailes. Mais les iconographes de tout temps qui ont rivalisé d'ardeur et d'imagination en ébauchant les icônes de l'arche se sont trompés. On s'aperçoit qu'ils ont mal interprété ce passage biblique car tous ont positionné les deux anges au-dessus de l'arche. Et tous ont déployé les deux ailes de chaque ange. Voici enfin les meilleures preuves bibliques qui démontrent avec éloquence que Dieu le Père ainsi que son Fils Jésus-Christ sont négroïdes. Nous citerons concomitamment les prophètes de l'Ancien Testament mais aussi du Nouveau Testament. En effet, comme une signature indélébile de sa part, vous verrez que le Dieu Créateur au travers des révélations bibliques a présenté au monde les caractéristiques physiques de sa personne. Même choqué ou éberlué, aucune raison humaine ne pourra nier l'implacable évidence de la couleur noire du Dieu de la Bible. Compte tenu du portrait que l'autorité suprême lui-même a voulu livrer au sujet de sa personne, ses preuves bibliques sur les origines noires de Yahvé Dieu et de son Fils Jésus-Christ sont crédibles et se passent de commentaires. En dehors des preuves archéologiques bimillénaires que nous venons d'examiner, la Bible a portraituré des photogrammes du Seigneur Dieu. Et le résultat de la projection de ces images nous contraint au rétablissement de la vérité sur ses origines noires. Selon les descriptions bibliques, la chevelure, les membres et l'aspect du Seigneur Dieu sont ceux d'une personne de race noire. Dans l'Ancien Testament tout comme dans le Nouveau, des prophètes ont vu le Seigneur de gloire et ont livré des informations détaillées de son personnage. Entre autres, ils ont décrit avec précision à quoi ressemblait la chevelure du Seigneur Dieu. Aussi, ils ont précisé de quelle couleur étaient ses bras et ses pieds. Le portrait ainsi dressé ne laisse aucun doute. Le maître de l'univers est de teint noir avec des traits on ne peut plus africains. Description de la chevelure du Seigneur. La laine pure de bonne qualité provient des moutons mérinos. Le prophète Daniel dit que la chevelure de Dieu ressemble à de la laine pure. Selon qu'il est écrit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent, Daniel 7-9. Voici la photo de moutons mérinos avec leur laine pure. Et voici face à deux photos de chevelures de personnes de race noire. Voyez-vous la ressemblance? Comprenez-vous pourquoi l'on dit que Dieu est noir? La chevelure d'un homme de race blanche ressemble plutôt à du nylon et non à de la laine pure. Description des membres du Seigneur. Le prophète Daniel et l'apôtre Jean ont dressé un portrait du Seigneur, tout en accordant une attention particulière sur la couleur de ses membres. Ils décrivent les bras et les pieds du Seigneur comme quelque chose de semblable à du bronze poli. Du bronze ardent embrasé dans la fournaise. Comme vous le savez, lorsqu'on jette du bronze dans du feu, il devient noir brillant. Nous lisons. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude, Daniel 10:6. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux, Apocalypse 1:15. Lorsque du bronze est placé dans du feu, voici ce que ça donne. Voyez la similitude et tirez votre conclusion. La chevelure des blancs est plutôt semblable à une crinière de cheval, à du nylon ou du crin et elle retombe toujours sur les épaules. En aucun cas elle ne peut ressembler à de la laine pure qui est toujours dressée, enchevêtrée.
ébouriffé, hirsute comme la chevelure des Noirs. Néanmoins, il est possible de trouver parmi les Blancs des personnes dont la texture et la couleur de la chevelure est de la blancheur semblable à celle du Dieu de la Bible, selon les descriptions ci-dessus. Mais de toute l'histoire de la race humaine, jamais on n'a fait mention d'un Blanc possédant des membres noirs. Le bon sens voudrait que l'on accepte la vérité selon laquelle le Dieu Très-Haut présente les caractéristiques d'une personne de race noire. La première description est celle d'E, l'Ancien des Jours, qui est le Dieu créateur en personne. C'est un témoignage de l'Ancien Testament. La seconde description est celle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il s'agit d'un témoignage du Nouveau Testament. Malgré les 7 siècles qui séparent les deux prophètes, leurs témoignages sont concordants sur le caractère négroïde de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Description du corps du Seigneur. Après avoir décrit les cheveux et les membres du Seigneur, la Bible s'intéresse également à son corps et le décrit. Son corps était comme du chrysolite. Daniel 10:6. Le corps du Seigneur tel que décrit dans ce passage fait allusion à son accoutrement. De sorte que l'on estime qu'il portait un manteau de couleur verte. Description de l'aspect du Seigneur. Un autre passage biblique, Apocalypse 4:2-3, précise que l'aspect du Dieu de la Bible est celui d'une pierre de sardoine et de jaspe. Ce qui fait référence au chocolat marron. Couleur de la terre rouge ou celle d'une personne de race noire communément appelée brown skin, peau marron. En guise de conclusion de cette investigation sur les origines blanches ou noires de Dieu. Et conformément aux descriptions de la Bible qui précisent que son aspect est celui d'une pierre de jaspe et de sardoine. Nous allons confronter les photos de ces deux pierres précieuses à celles des deux races en question. Alors nous verrons ce qu'il en résulte. Voici l'image d'une pierre de sardoine entre les doigts d'une personne de race blanche. Vous constatez qu'il y a incompatibilité entre les deux couleurs. Elle ne se marie pas. Voici également l'image d'une pierre de jaspe face à des personnes de race noire. Vous constatez que les deux couleurs s'assemblent merveilleusement. Sans embâge, la tendance est plutôt négroïde. Au vu de ce résultat, on peut conclure en toute quiétude que le Dieu de la Bible et son Fils Jésus-Christ sont noirs de peau. Déjà en 1959, le roman de Michel Delperrier avait pour titre « Le Dieu de jaspe et de sardoine ». Objet dont les couleurs s'identifient à l'aspect du Dieu de la Bible. La Sainte Bible utilise des objets et des pierres précieuses pour décrire l'aspect et l'identité du Seigneur Dieu. En résumé, elle utilise de la sardoine et du jaspe, marron, pour décrire la couleur de sa peau. Du cuivre ou du bronze, marron ou noir brillant, pour décrire la couleur de ses membres. De la laine pure pour décrire sa chevelure et enfin. De la chrysolite et de l'émeraude, vert, pour décrire la couleur de son accoutrement. À travers ces descriptions se dégage l'identité d'une personnalité de type négroïde. La sagesse des rabbins juifs. Depuis leur conversion au judaïsme au 8e siècle, les juifs ont hérité et préservé la culture juive ainsi que la langue hébraïque. Leur maître révèle depuis bien longtemps que la couleur de la royauté de Dieu, la royauté d'Hachem est le noir. En hébreu, le mot kushi signifie « noir » et le chiffre « 1 » qui lui est affecté se réfère à Dieu. Ce qui revient au même de dire que Dieu est noir. Avant de poursuivre notre recherche sur les origines noires de Dieu et de son Fils, nous avons l'obligation morale d'ouvrir une parenthèse afin de révéler et de dénoncer les mensonges syncrétiques des Occidentaux qui ont falsifié les icônes de Dieu en introduisant subtilement le paganisme de Rome dans l'Église chrétienne, provoquant ainsi la ruine de plusieurs âmes. Les faussaires de la Renaissance ont falsifié l'iconographie chrétienne, sachant que les Hébreux israélites ainsi que le Dieu qui les créa étaient noirs. Quelle est alors l'origine des icônes blanches? Exemple flagrant de blanchiment d'icônes. Durant l'époque de la Renaissance, 1300 à 1600, les faussaires ont agi sur ordre des césaro-papistes. Ils ont d'abord blanchi les icônes chrétiennes et par la suite nous ont présenté un Jésus de race caucasienne. Les images modernes de Jésus-Christ sont des photos de César Borgia et des acteurs des films d'Hollywood. Voici des preuves flagrantes et effarantes.
Le pape Alexandre VI, son fils et sa maîtresse ont posé sous l'identité de Jésus-Christ et de la Vierge Marie. En effet, César Borgia fut le fils du pape Alexandre VI. Il était le duc de Valence. L'histoire retiendra qu'il fut un sataniste, un pédophile, un homosexuel et un criminel notoire. Néanmoins, son portrait fut imposé dans le catholicisme sous l'image de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'image de César Borgia se retrouve dans la quasi-totalité des églises chrétiennes et aussi dans beaucoup de familles. Partout dans le monde, cette image est adorée à tort comme celle du Christ Jésus. De César Borgia à Jésus-Christ. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, 1 Corinthiens 11-14. En 1503, Jésus-Christ est devenu européen suite au blanchiment. Par le truchement de l'imagerie. Jésus-Christ l'Africain est devenu européen en 1500. Dans ce siècle de l'audiovisuel et par l'entremise du célèbre film « La Passion du Christ », la photo de Robert Powell. Un acteur du cinéma britannique et d'Hollywood est devenu celle de Jésus-Christ. En effet, cet homme qui a tourné un film sur Jésus-Christ a retrouvé sa photo exposée et adorée dans des églises et familles chrétiennes. Outré, il fit le tour du monde pour supplier les chrétiens de brûler ses photos car il n'est pas Jésus-Christ. Ce fut peine perdue. Voici les faux Jésus hollywoodiens dont les images sont imprimées dans la mémoire collective. Les images de la Vierge Marie sont des portraits de Gilia Farnese qui est la maîtresse du pape Alexandre VI. Il se trouve au Vatican une célèbre fresque de la Vierge Marie. Un tableau peint sous les ordres du pape Alexandre VI, un pape sataniste. Cette image de la Vierge Marie constitue cependant une moquerie cruelle pour le christianisme biblique car elle n'est rien d'autre que le portrait de l'amante préférée du pape. La très belle Gilia Farnese, surnommée « la Bella ». Une jeune fille de 15 ans, sœur du cardinal Alessandro Farnesi de Petticoate. Une fille de noble famille dont le frère deviendra plus tard pape Paul III, référence. Diarium of Bourchard. Avec elle, le pape Alexandre eut une fille nommée Laura. Cette fresque de la maîtresse du pape est malheureusement vénérée comme une image de la Vierge Marie mère de Jésus-Christ. Au Vatican. Le scandale a atteint son paroxysme le jour où le pape Alexandre VI présenta au monde pour vénération. La nouvelle fresque de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus que voici. En réalité, il s'agissait une fois de plus d'un portrait du pape lui-même et de son amante préférée Gilia Farnese. La tradition hermétique dans l'iconographie chrétienne. La tradition hermétique tire son nom d'Hermès. Dieu grec le Mercure romain et surtout du mythique Hermès. Ce paganisme de l'Antiquité a survécu et s'exprime dans ce siècle moderne par le truchement de l'iconographie chrétienne. C'est aussi une prouesse des faussaires de tout temps. Selon toute vraisemblance, il s'agit d'une subtile initiation du monde au paganisme ou au satanisme. Les exemples suivants en disent long. Dans le Pandémonium et précisément dans le monde Armstrong, existe une déesse. Un ange déchu tombé du ciel avec Lucifer lors de la révolte des anges et qui se nomme Marie Margouet. Cette dame porte toujours une robe blanche avec un manteau bleu par-dessus. Elle porte aussi une couronne de 12 étoiles autour de sa tête et des rayons de lumière sont projetés de ses mains. Ses pieds reposent toujours sur un serpent. Dans le Pandémonium, on l'appelle la mère de tous les dieux ou la déesse mère. On constate que l'image de cette déesse du monde Armstrong est une copie conforme de celle présentée aux chrétiens sous le nom de Vierge Marie Mère de Dieu. Marie Margouet ne peut pas être la mère de notre Seigneur Jésus-Christ du fait de ses origines luciférienne. Elle a vécu des milliers d'années avant la naissance de la Vierge Marie et elle vit de nos jours dans le Pandémonium. Le fait que son effigie soit identique à celle de la médaille miraculeuse n'est pas une simple analogie mais plutôt une usurpation d'identité. Perpétrée à dessein. En effet, tous les anciens grands satanistes qui ont servi leur maître dans le deuxième ciel confirment cette infiltration de Marie Margouet dans le culte marial. La tromperie qui consiste à réajuster les images. Cette image est un produit du paganisme de l'Antiquité. C'est l'image d'une déesse omniprésente qui a reçu l'adoration des fidèles dès la chute des premiers hommes. Depuis les civilisations prédiluviennes à nos jours. Elle a porté les noms suivants. Astarté. Ishtar.
Souti. Eunerissa. Athéna. Isis. Son image a été cependant remodelée et introduite dans le christianisme pour ainsi s'adapter aux réalités de nos croyances modernes. Elle deviendra l'image de Regina Coeli ou Marie la Reine du Ciel. Il s'agit d'une manipulation d'image qui a engendré une adoration universelle des divinités païennes de l'Antiquité sous un masque chrétien. La fameuse légende de Sémiramis. Bien qu'il s'agisse d'une légende, les grands de ce monde y croient obstinément. Dans la mémoire collective, ils ont même imprimé au burin le souvenir de Sémiramis. La légende raconte qu'après le déluge, le roi Nemrod aurait tué son père et aurait épousé sa propre mère qui se nommait Sémiramis. De son union avec sa mère naîtra Tammuz. Il est né un 25 décembre. Il est le dieu soleil des Égyptiens, des Babyloniens, des Grecs, des Perses, des Romains, des sociétés secrètes. Dans ce 21e siècle moderne, Sémiramis s'érige en déesse de la liberté. Car c'est elle que représente la statue de la liberté. Le symbole de la justice qu'est la balance. C'est encore elle la dame des billets de banque de la monnaie brésilienne et de Columbia Pictures. Le roi Nemrod, sa mère Sémiramis ainsi que leur fils Tammuz furent célébrés dans toutes les civilisations qui ont succédé le déluge jusqu'à nos jours. Chaque nation changera leur nom. D'abord les Perses, ensuite les Grecs qui changèrent les noms en Zeus, Aphrodite et Eros. Par la suite, les Égyptiens prendront la relève et les baptiseront des noms d'Osiris, Isis et Horus. Cette même entité a été célébrée à Babylone, en Assyrie, au Liban, en Inde, en Chine, au Mexique, etc. Les Romains seront les derniers sur la liste et ainsi. Sémiramis et Tammuz ont été baptisés, la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Il importe de préciser que ce culte païen de la Reine du Ciel et de son fils Tammuz était vivace dans l'Ancien Testament. Des milliers d'années avant la naissance du christianisme. À l'époque, il a provoqué la colère de Yahvé Dieu et la destruction du peuple, Ézéchiel 8, 14, 17. Jérémie 7, 18. Cette entité féminine issue du paganisme de l'Antiquité et omniprésente dans les civilisations prédiluviennes a été subtilement introduite dans la culture contemporaine et aussi dans le christianisme par le biais de l'iconographie. La déesse mère a ainsi usurpé l'identité de la Vierge Marie. Comment cette infiltration a-t-elle été diligentée? Eh bien, les nombreux papes satanistes qui ont régné au Vatican y sont pour quelque chose. N'oubliez pas qu'en 325 au Concile de Nicée, l'Église catholique universelle a regroupé en son sein toutes les religions de l'époque, y compris le paganisme de Rome. Ne soyez donc pas consternés de voir ce paganisme ancien s'y exprimer de nos jours. Nous y reviendrons en détail. Nous refermons la parenthèse. Des femmes noires dans la généalogie de Jésus-Christ. Il n'y a aucune chance que Jésus-Christ soit une personne de race blanche. En dehors du fait que les membres de sa famille, les Hébreux israélites, étaient des Noirs. Il y a aussi trois femmes étrangères de race noire qui se sont greffées à sa généalogie. Comme vous l'avez si bien constaté, cette vidéo est ponctuée de connotations quelque peu racistes. C'est une approche contraignante à laquelle nous sommes astreintes due à la nature sensible du sujet. Des falsifications historiques perpétrées au cours des siècles ont chapardé l'historiographie des Noirs à l'échelle mondiale. Et le rétablissement de toute la vérité dans cette affaire ne peut se faire sans heurts. En vérité, que Jésus-Christ soit noir ou blanc, cela importe peu. Mais la question qu'on se posait de savoir pour quelles raisons l'ont-ils blanchi. Dans cette démarche, il est nécessaire pour nous de développer un autre sujet de catéchèse pour les chrétiens et de culture générale pour les autres. Il permet de comprendre que le Dieu créateur a usé de toute la diplomatie nécessaire afin de rassembler autour de lui tous les habitants de la terre. Je vous serai donc reconnaissant de me supporter encore un instant. Nous savons que le Dieu créateur ne fait exception de personne. Il est le Père de tous les vivants. Lorsque vous reconnaissez sa souveraineté et vous vous soumettez à ses lois, alors vous êtes son enfant, Isaïe 56, 3 à 7. En effet, il avait dit à Abraham qu'il bénirait tous les habitants de la terre à travers sa progéniture. Lorsque les esclaves hébreux quittèrent l'Égypte sous la conduite de Moïse, la Bible dit qu'une multitude de personnes les suivirent.
Ils se retrouvèrent donc au sein des enfants d'Israël où ils acceptèrent les lois de Dieu et se firent circoncire. Dans Josué 8, nous retrouvons des étrangers au milieu des enfants de Dieu. De même, lorsque les Hébreux israélites conquéraient des territoires, ils passaient les villes à l'interdit, mais ils gardaient pour eux les filles vierges. Autant d'étrangers qui s'associèrent au peuple élu de Dieu. Voici comment Dieu intégra le monde entier dans sa grande famille des enfants de Dieu. Les Noirs étaient la race choisie. Mais après la désobéissance d'Israël, la grâce de Dieu fut étendue aux gentils, les païens, qui ont fait leur entrée dans la grande famille du peuple élu de Dieu. Selon qu'il est écrit, c'est nous qui sommes les objets de sa compassion. Nous qu'il a appelés non seulement d'entre les juifs mais aussi d'entre les non-juifs. C'est ce qu'il dit dans le livre du prophète Osée. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Celle qui n'était pas la bien-aimée, je la nommerai bien-aimée. Au lieu même où on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira alors, vous êtes les enfants du Dieu vivant, Romains 9, 24 à 26. Le prophète Ésaïe confirmera cette intégration des gentils dans la famille du peuple élu. Nous lisons. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit. Me voici. Me voici. À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom, Ésaïe 65, 1. Dans l'Ancien Testament, la désobéissance et le rejet de l'Alliance par Israël ont conduit le Seigneur Dieu à rendre universelle la grâce de lui appartenir. De même, dans le Nouveau Testament, le rejet de Jésus-Christ par ce même peuple l'a conduit à étendre la grâce du salut au monde entier. Selon qu'il est écrit, elle, la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu, Jean 1, 11 à 13. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, Jean 3, 16. En effet, par son sacrifice à la croix, Jésus-Christ a racheté pour Dieu une multitude de personnes originaires de toutes les nations de la terre. Selon ce qui est écrit, tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations, Apocalypse 5, 9. Vous comprenez que dans son amour incommensurable pour sa création, le Seigneur Dieu a tendu ses bras à tous au travers de Jésus-Christ. Par contre, les progénitures des trois fils de Noé, Sem, Cham et Japhet, qui ont repeuplé la terre après le déluge, se sont constitués en deux groupes antagonistes. Le premier groupe est composé des descendants de Sem et Cham. Grâce aux nombreuses interactions et les mariages entre leurs progénitures, ils sont devenus un seul et même peuple. Le peuple noir d'Afrique et d'ailleurs. Le second groupe est celui des descendants de Japhet qui représente la race blanche européenne et asiatique. Les chocs des civilisations entre ces deux entités ont provoqué des guerres de dominations et de vicissitudes, engendrant racisme et haine entre noirs et blancs. Aujourd'hui, les blancs ont relégué les noirs au second rang, de sorte que dans la culture occidentale, la couleur noire est synonyme d'infériorité. Elle est associée au péché et à la mort au diable, puisque le diable est toujours peint en noir. Avec tout le mépris et les scandales raciaux au quotidien, les racistes blancs aux USA avaient même une doctrine chauvine qui excluait les noirs et les métis de leur communauté. Ils scandaient constamment un slogan qui disait « Une petite goutte de sang d'un noir dans votre corps fait de vous un noir ». Partant de ce principe, je dis bien, partant de ce principe, je ne vois pas la possibilité que Jésus-Christ soit une personne de race blanche, car en dehors des étrangers qui intégrèrent le peuple israélite, des femmes noires telles que Rahab, Ruth et Bathsheba se retrouvent directement impliquées dans sa généalogie. En effet, comme nous l'avons mentionné dans les numéros précédents, Rahab fut une prostituée cananéenne noire de peau. C'est elle qui cacha les espions hébreux dans la ville de Jéricho. Après la conquête, elle fut épargnée et fut admise parmi les Israélites. Un hébreu israélite nommé Salma l'épousa et de cette union naquit Bouz.
À son tour, Booz se maria à une femme moabite noire de peau du nom de Ruth. Elle s'attacha à sa belle-mère et devint alors une fille d'Israël et un maillon de la chaîne généalogique par laquelle naquit Jésus-Christ. Uri le Héthien. Soldat dans l'armée du roi David avait une femme du nom de Bathsheba. Elle était noire et fort belle. Le roi David la prit pour épouser, ainsi naquit Salomon. Telles sont les étrangères, les trois femmes noires qui entrèrent dans la généalogie du Christ. C'est de cette lignée du roi David que naquit le sauveur noir qui se nommait Jésus, fils de David. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Avant d'examiner la dernière preuve biblique confirmant la noirceur de la peau de Dieu et de son fils Jésus-Christ, voyons d'abord ce qu'ont découvert les éminents scientifiques sur la race et l'origine du premier homme. Spencer Wells est un généticien et anthropologue américain. Sous sa direction, The National Geographic Society, en association avec IBM, ont mené un projet géographique de grande envergure. Lancé de 2005 à 2015. Le but de ce projet était de retrouver les traces du père à l'origine de la race humaine, de même que l'endroit de sa première apparition. Le projet, qui fut d'une durée de 10 ans, impliquait des généticiens. Ils ont prélevé des échantillons d'ADN sur toutes les races humaines à l'échelle mondiale. De ces échantillons d'ADN, les scientifiques ont étudié les mutations dans le chromosome Y. Le résultat a révélé qu'il y eut une seule mutation dans le chromosome Y de tous les hommes de la planète. Considérant le fait que la mutation chromosomique ne change pas mais est transmise par hérédité de génération en génération et de père en fils, les chercheurs ont émis l'hypothèse que s'ils parvenaient à trouver le premier porteur de cette particulière mutation, où et quand cela est apparu, ils pourront découvrir l'identité du père de l'homme moderne. L'Adam scientifique, Y chromosomal Adam. Ce projet de The National Geographic Society et de IBM a finalement découvert que l'origine de la mutation de ce chromosome Y a eu lieu en Afrique de l'Est depuis environ 60 000 ans. La conclusion finale était que le père de tous les humains vivant aujourd'hui sur Terre est originaire d'Afrique. Il a vécu il y a 60 000 à 90 000 ans, référence. Wikipédia.org. Spencer Wells. Le père de l'homme moderne est donc un noir. Après de longues recherches, le paléoanthropologue français Yves Coppens a abouti à la même conclusion. Pour lui, tout le monde est africain et la couleur blanche n'est qu'une décoloration. Sans aucune objection. L'Afrique a donc hébergé les premiers hommes ayant apparu sur la Terre. La création du premier homme Adam. Selon la Bible. Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Genèse 1 26 à 27. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant, Genèse 2 7. La question qui en découle est la suivante. Quelle est la couleur de la poussière du sol d'où l'homme fut tiré? Elle est rougeâtre ou marron. Similaire à la couleur de la peau d'une personne de race noire. C'est pour cette raison que le noir se nomme « brown skin », c'est-à-dire « peau brune ou bronzée ». Compte tenu du fait que le premier homme était noir. Selon le rapport de tous les scientifiques de la planète. Étant donné que Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Alors, Dieu est noir. Jésus le Messie disait. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 8 à 9. Comme le Père est noir. Alors Jésus-Christ le Fils est noir. Le Jardin d'Éden. Un indice non négligeable. L'indice qui démontre que le Dieu de la Bible est noir. Et que le peuple qu'il a créé est celui d'Afrique noire se révèle au travers des réalités du Jardin d'Éden. À savoir, l'emplacement du jardin. Les animaux qui y vivaient et l'ordre donné aux premiers habitants d'Éden de se multiplier et de remplir la terre. Lorsque le Seigneur Dieu implanta un jardin en Éden et confia à son fils Adam la charge de le cultiver.
Il créa aussi des animaux qu'il présenta à Adam et celui-ci donna à chaque animal un nom, Genèse 2, 19 à 20. C'est seulement en Afrique que tous les animaux décrits dans la Bible se retrouvent au grand complet. En abondance. Et se promènent librement en toute saison. C'est la preuve irrécusable que l'Afrique noire faisait partie du Jardin d'Éden. Il est sans conteste que le déluge a déformé la géographie de la Terre ainsi que le lit des fleuves qui permettait d'identifier avec précision l'emplacement du Jardin d'Éden. Néanmoins, l'on peut toujours situer la position du Jardin d'Éden grâce aux coordonnées GPS fournies par la Sainte Bible. Nous lisons. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Où se trouve l'or? L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Iddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve. C'est l'Euphrate, Genèse 2, 10 à 14. Le pays de Cush. C'est l'Éthiopie en Afrique orientale. L'Assyrie, c'est l'actuel Irak. Le pays où l'on trouve en abondance de l'or pur, le bdellium et la pierre d'onyx. C'est en l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Or, en Afrique centrale et en Afrique du Sud. L'avez-vous remarqué? Pour arroser un jardin, on a juste besoin d'un arrosoir. Mais la Sainte Bible précise qu'un fleuve à quatre bras sortait d'Éden pour arroser le jardin. S'il faut tout un fleuve pour arroser un jardin, convenez avec moi que le jardin de Dieu avait une dimension continentale. Selon les indications de la Sainte Bible citées plus haut, le cœur du jardin d'Éden était situé en Israël au Moyen-Orient et s'étendait ensuite sur tout le continent africain, faisant du peuple noir les premiers habitants d'Éden. En effet, le peuple issu du jardin d'Éden est celui-là qui obéit docilement aux ordres édictés par le Créateur qui les enjoignait de se multiplier et de remplir la terre. Tandis que les nations nanties refusent de procréer beaucoup d'enfants et en même temps s'efforcent de réduire la population mondiale. L'Afrique noire est le seul continent qui obéit à la volonté du Créateur. En guise de conclusion de ce numéro de la chaîne du rétablissement de la vérité, et au cas où vous ne le sauriez pas, c'est le moment de l'apprendre. On ne se moque pas de Dieu. Le Dieu de la Bible est le maître de l'histoire et le juge suprême de sa création. Les enfants de la maison d'Israël ont foulé aux pieds ses lois divines. Et se sont moqués de la Sainte Alliance que leurs ancêtres ont jadis signée avec le maître de l'univers. Dans les numéros précédents, nous avons exposé en détail ce qui leur arriva. Dans le cinquième numéro qui va bientôt suivre, nous nous pencherons sur le sort que l'Éternel Dieu a réservé aux personnes de race blanche. Le terme biblique pour désigner les Blancs est « Édom » ou « Édomite ». Les Édomites ont enchaîné les enfants de la maison d'Israël qui est le peuple élu de Dieu. Son héritage. Ils ont crucifié le Fils de Dieu. Ils ont brûlé le grand temple de Jérusalem et pillé tout l'or qui s'y trouvait. À travers les inquisitions et les guerres saintes, ils ont brûlé et massacré 450 millions d'innocentes personnes. Ils ont décrété la mort de Dieu et la naissance d'un super-homme lors de la révolution industrielle. Ils ont provoqué deux guerres mondiales qui ont décimé environ 80 millions de vies humaines. Ils ont légalisé l'avortement comme dans Sodome et Gomorre. Bref, ils ont fait pire que les Noirs. Vous serez surpris de la condamnation qui leur est réservée car la Bible dit que leur brillante civilisation sera détruite et qu'ils disparaîtront à jamais de la terre selon qu'il est écrit. Édom ne sera plus, Jérémie 49, 10. C'est l'heure du rétablissement de la vérité. À toi, enfant d'Israël. Que le tonnerre et le feu de Dieu démolissent toute résistance au rayonnement de ton étoile. Que le soleil, la lune et les étoiles combattent pour toi. Que l'onction pour exceller dans la vie tombe sur toi. Que l'Éternel élève pour toi un autel de la prospérité continue. Au nom de Jésus-Christ. Amen.